Bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Bienvenue pour le premier Avenue Centrale de l'année 2023, meilleurs vœux. Alors avant de commencer et de présenter notre invité, juste des petites infos pratiques. Si vous voulez recevoir des informations, n'hésitez pas sur les activités de la MSH. N'hésitez pas à prendre ces petits... Ah oui, ça siffle un peu. Hein, ces petits cartons et mettre votre mail, donc première information. Vous avez également un petit questionnaire... ici posé sur le meuble à remplir sur vos souhaits effectivement de suivi des sites internet, des brochures, etc. Et enfin, vous avez ce numéro de sciences humaines, la revue qui est partenaire de ces événements. Et donc, n'hésitez pas à les prendre, ils sont gratuits. Voilà, donc ça, j'ai terminé avec les informations pratiques. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir Guillaume Mazot, que je connais depuis très longtemps. Donc, je le tutoierai, ce qui n'est pas usuel. Guillaume Mazot est maître de conférence à l'Université Paris 1. Il est spécialiste de la Révolution française et nous l'avons invité pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il a écrit des ouvrages absolument passionnants, Le bain de l'histoire... qui est issu de sa thèse consacrée à l'attentat perpétré par Charlotte Corday contre Marat. La même année, il a publié Corday contre Marat, les discords de l'histoire. Il est également l'auteur d'un bref essai que je vous conseille vivement, Histoire, dans la collection Le mot est faible chez Anna Moza, qui est vraiment un essai extrêmement stimulant, moi, qui m'a ouvert des perspectives, on en reparlera. Et là encore, il va sortir le dernier tome de l'Histoire dessinée, le tome sur la Révolution française, qui va sortir en mars aux éditions de La Découverte. Et c'est une collection qui est dirigée par Sylvain Venner, un autre collègue professeur d'histoire contemporaine ici. Alors, en fait, ces livres s'entremêlent à une activité, et ça va être une pratique de l'histoire qui est suffisamment rare pour être pointée et pour être développée aujourd'hui. Ce que je trouve singulier et admirable dans ton parcours, c'est que tu entremêles à la fois une recherche effectivement savante, mais aussi une réflexion sur la pratique de l'histoire en général, qui pratique l'histoire, qui s'empare de ces sujets, qui a le droit de s'emparer de l'histoire et quels enjeux politiques cela revêt. Et en même temps, toi-même, dans ta pratique, tu abordes d'autres terrains, d'autres façons d'aborder l'histoire, comme notamment une collaboration avec Joël Pommerat au théâtre, pour une pièce magnifique que j'ai vue et que j'ai également beaucoup admirée, Ça ira la fin de Louis. Tu as participé au parcours Révolution pour la ville de Paris. Donc, on voit à travers ce double travail une volonté de questionner finalement le rôle des historiens. À quoi servent les historiens, d'une certaine manière? Quels sont les usages de l'histoire? Qui peut s'en emparer? Et ça va être probablement un des thèmes que tu vas aborder et qui te permet, je trouve, à travers ces... même dès l'ouvrage sur Charlotte Corday, dès Le bain d'histoire, qui réfléchit sur, au fond, les luttes qui se jouent autour des usages de l'histoire. Et tu envisages véritablement le travail de l'historien non pas comme un gardien du temple éloigné de la cité, ni une forme de métier de l'historien qui serait une réitération des rapports de domination sociale, mais vraiment l'idée de réfléchir à l'histoire comme pratique, une pratique dont peuvent s'emparer de multiples acteurs à des fins diverses. Donc je te laisse la parole et je te remercie très vivement d'être là parmi nous. C'est moi qui te remercie pour cette présentation très sympa. On se connaît, mais j'espère que c'est pas seulement ça. Très sympa, ouais, d'une démarche, d'un travail, et du coup, je suis très très content d'en parler.
parce que moi-même, je me pose toujours plein de questions sur le sens de ce que je fais et ça m'aide. Je commencerai par citer un historien qui me semble important. Vous allez vite voir qu'il était effectivement très important, mais important pour comprendre le rapport qu'on a longtemps eu, nous, Français, avec notre révolution. Notre révolution, c'est le titre, je me fais un peu de teasing là, comme ça, de l'histoire dessinée de la France. Chaque année, lorsque je descends de ma chaire, que je vois la foule écouler, encore une génération que je ne reverrai plus, ma pensée retourne en moi. Je rentre en moi. J'interroge sur mon enseignement, sur mon histoire. Son tout puissant interprète, l'esprit de la Révolution. En lui seulement, la France eut conscience d'elle-même. Dans tout moment de défaillance où nous semblons nous oublier, c'est là que nous devons nous chercher, nous ressaisir. Là se garde toujours pour nous le profond mystère de vie, l'inextinguible étincelle. La Révolution est en nous, dans nos âmes. Au dehors, elle n'a point de monument. Vivant esprit de la France, où te saisirais-je, si ce n'est en moi ? Ah, il est bien loin le temps où, en 1847, Jules Michelet, parce que c'est lui, parlait ainsi de la Révolution française, de son histoire et du lien si fort, mystique, si profond, si collectif, et en même temps si intime, à la fois, qui reliait l'événement aux Françaises et aux Français. Il est bien loin, l'esprit de la Révolution. L'esprit de 89 et de ses grandes journées révolutionnaires, ces grandes dates qu'on croit toutes connaître, enfin qu'on connaît toutes et tous un peu spontanément, le 4 août, le 20 juin, le 26 août, ces grands hommes, les hommes, Mirabeau, Lafayette. Voilà à quel héritage on renvoie souvent encore lorsque ce qui nous rassemble semble menacé. Hein, 89, fait partie de nos digues qu'on aime à entretenir. Tant la Révolution semble nous relier par-dessus tout, et encore plus 89, cette année qui semble nous accorder beaucoup plus que 93, par exemple, celle de la terreur, de la guerre civile, etc. Et voilà, la Révolution française, donc, qui semble faire consensus, mettre tout le monde d'accord de manière indiscutable et définir ce que nous sommes aussi, pour toujours à la fois collectivement et intimement. Pourtant, cet héritage, il est sans cesse pointé du doigt, voire dénoncé aujourd'hui, hein, par l'extrême droite, dans une tradition longue, qui puise dans les anti-lumières et dans la contre-révolution, une extrême droite qui conteste le fondement même de la révolution et qui voit finalement dans le réveil des différentialismes, hein, qu'ils soient sociaux, identitaires, de genre, de race, la solution aux crises qu'on traverse aujourd'hui. Cet héritage, il est aussi dénoncé à l'opposé. Il faut le savoir aussi, il faut le dire aussi, même si peut-être c'est un peu moins présent, par celles et ceux qui... lassés des écarts entre les principes et les réalités, on peut d'ailleurs peut-être leur donner raison, les principes de la Déclaration des droits de l'homme et la persistance des inégalités, des discriminations, etc., qui ont un petit peu peut-être la tentation de jeter l'héritage dans son ensemble. Et l'universalisme, hein, voilà. Faisant des lumières, de la révolution, des hypocrisies, voire des outils au service exclusif de la bourgeoisie, de la colonisation, etc. Vous voyez, cet héritage, il est fragilisé aujourd'hui, il est contesté. Alors qu'est-ce qu'on a à répondre face à ces doutes ? Malgré tout, cet héritage, il est souvent brandi tel quel, à travers des monordres, des monuments, des totems qu'on invoque un peu rapidement. Mais un héritage qui, à force d'être fétichisé, brandi comme la solution miracle du vivre ensemble, comme un patrimoine qui se passerait de discussion, a finalement un peu... finit par se vider de son contenu. De qui sommes-nous les enfants ? De quelle histoire sommes-nous les héritiers ? Rien n'est en réalité moins évident aujourd'hui. Au-delà des formules, la DDHC, comme on l'appelle à l'école, la révolution de 1789, qu'on réduit à sa première année d'ailleurs, alors qu'en réalité ça a été un processus long, difficile à délimiter d'ailleurs. Est-ce qu'elle ne renvoie pas à un héritage finalement bien plus complexe, bien plus ambigu, bien plus disputé, et de ce fait beaucoup plus intéressant que les coquilles vides qu'on jette spontanément à la face des menaces qui s'accumulent aujourd'hui sur l'universalisme, la demande de liberté, les utopies d'égalité ou les liens de fraternité ? Du coup, l'histoire, je pense qu'elle a un rôle à jouer dans ces débats qui sont tous sauf anodins. Elle seule est peut-être capable de réinjecter du trouble dans cette histoire écrite d'avance, un peu trop écrite d'avance, de la complexité, dans un héritage qu'on a beaucoup proclamé, défendu, protégé, lissé, poli, patrimonialisé, mais qui, en fait, qu'on croit très familier,
mais auquel on est devenu peut-être plus étranger que jamais, sans bien nous en rendre compte. Une histoire finalement bien plus épaisse, incertaine, foisonnante, voilà, dont on s'est éloigné. Elle peut jouer un rôle, cette histoire, mais le chantier est très vaste. Et peut-être qu'il faut revoir les territoires de l'histoire pour savoir un petit peu ce qu'on est devenu et ce qu'on est devenu par rapport à la Révolution. Et peut-être pour réécrire cette histoire de la Révolution. Il n'est pas sûr qu'il suffise de reprendre sa plume de manière un peu classique, comme nous, on sait le faire, c'est notre métier, les historiennes et les historiens. L'histoire, avec ses méthodes scientifiques, peut-être, elle est importante et je suis là pour la défendre, pour le coup. Peut-être que c'est évidemment plus important que jamais de défendre la science, la connaissance, aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas, en tout cas dans son périmètre et ses moyens d'action ordinaires. Je pense que c'est pour ça que j'emploie le terme d'histoire tout-terrain, ou à plein temps, voyageant entre le présent et le passé. Avant d'écrire de nouveau, ce que j'essaye de faire, c'est mon métier, hein, je replonge dans les archives, mais ça prend beaucoup de temps, de redécouvrir ce monde perdu, peut-être il faut prendre le pouls de ce passé commun. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et donc d'abord étudier comme un anthropologue en terre lointaine, les usages qui en sont faits aujourd'hui. Deuxièmement, d'évaluer aussi la responsabilité de l'histoire scientifique dans cet éloignement, aussi dans cette usure. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires de la Révolution française aujourd'hui qui sont écrites, mais je ne suis pas bien sûr que le contenu change autant que le rythme auquel ces livres sont écrits. C'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a une demande, il y a aussi des acteurs, on est nombreux quand même. Il y a eu beaucoup de recrutement dans la recherche publique au XXe siècle sur l'histoire de la Révolution. Mais est-ce que le contenu, est-ce qu'on pose vraiment beaucoup de nouvelles questions? C'est pas si évident. Aussi, on est sur un usage un peu fatigué, sur une langue un peu fatiguée. Et donc, quelle responsabilité? Je vais en parler tout de suite. Et puis aussi, c'est peut-être aussi le moment de tester de nouveaux procédés qui permettraient peut-être à cette histoire d'être plus pertinente, de toucher plus de gens, de les alerter, d'arpenter de nouveaux territoires dans lesquels cette histoire pourrait non pas s'imposer brutalement, hein, par le haut, mais poser question, étonner, faire réfléchir, sans avoir un message à transmettre, forcément. Bon. Donc tout d'abord, pour moi, il s'agit de prendre mes distances avec le roman révolutionnaire, républicain et national de la Révolution française. J'appelle ça « Vie et mort, l'histoire révolutionnaire ». C'est-à-dire, pendant très longtemps, donc ce rapport peu commun, hein, qu'on noue avec l'événement, il a duré en gros 200 ans. Pendant 2 siècles, cette révolution a été remémorée, racontée, imaginée, écrite, racontée, enseignée, parfois même rejouée, reconstituée. Non comme un événement ordinaire, mais comme l'acte de naissance de la société française contemporaine, un peu son berceau, son point d'origine, ce qui n'est évidemment pas vrai, hein, c'est une construction tout ça. Une naissance peut-être douloureuse, hein, source de vie, de mort, d'espérance, de déception, de combat, de lutte. Polarisant la vie politique pendant très longtemps, hantant tout le 19e siècle et une partie du 20e siècle, mêlant ses zones d'ombre et ses fantômes. Hein, mais une naissance malgré tout, hein, laissant un héritage qui semblait quand même assez disputé et en même temps évident par sa présence, fondant des valeurs communes, une identité nationale, marquée par des grandes dates, 89, le serment du jeu de paume, etc. Des événements, la prise de la Bastille, tout ça. Bon. Un événement un peu héritier des Lumières, marqué par une opposition un peu frontale entre révolution et contre-révolution. Alors pendant 2 siècles, cette révolution elle a été le pilier de 3 grands récits que j'appelle le roman révolutionnaire, le roman républicain, le roman national. Roman révolutionnaire, un récit construit par les acteurs de la révolution eux-mêmes et les actrices de la révolution. Dans la révolution, on fait beaucoup d'histoires pour légitimer ce qui arrive, et la rupture, la comprendre, la promouvoir, bon, comprendre ce qui se passe. Et ces récits, ils ont puissamment influencé sur, les imaginaires sociaux pendant très longtemps. Et ça a commencé dès la fin du XVIIIe siècle. Naturalisant presque l'idée que la Révolution française avait été la plus spécifiquement française, la plus grande, la plus aboutie, etc. Deuxièmement, le roman républicain, qui est né plutôt à la fin du XIXe siècle, l'histoire de la Révolution a été promue pour faire adhérer à la République en insistant sur les monuments, sur les grands monuments. La DDHC, le 4 août, etc. Donc c'est l'histoire de la Révolution, sa mémoire aussi, promue comme un instrument d'adhésion à la République, hein, à l'école, mais aussi dans les commémorations, etc. Et enfin, le roman national, c'est-à-dire que l'histoire de la Révolution était aussi utilisée pour faire aimer la nation et son histoire. Et la distinguer par rapport aux autres, surtout, hein, et fonder une identité nationale. Et pendant 2 siècles, la Révolution et son souvenir donc, ont irrigué puissamment la vie politique, les mouvements sociaux, motivés de grandes commémorations, comme vous voyez là. Hein, donc ça, c'est
comment dire, le bicentenaire de la Révolution dans chaque école primaire, chaque village, avec le défilé de Goud aussi. Il y a le concours des villages fleuris qui a gagné d'ailleurs un village de Normandie, à Saint-Frimbaud dans l'Orne, avec les falaises aussi. Enfin, ouais. Il y a l'idée que, je veux dire, nous, ça nous paraît, en tout cas aux gens de plus de 40 ans, comme quelque chose qu'on a connu, qu'on a vu, mais peut-être les autres se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce monde un peu bizarre, cette société française qui pendant un an n'a parlé que de la Révolution, a défilé en bleu, blanc, rouge tout le temps. Enfin, il y a quelque chose de très, très folklorique presque, hein, maintenant, avec ce recul. Hein. Qu'avait d'ailleurs, ce regard l'avait les étrangers. Il y a un historien américain qui s'appelle Stephen Kaplan qui a écrit un livre magnifique, très critique, sur notre rapport à la Révolution, qui s'appelle « Adieu 89 », et qui s'est promené dans cette France de 1989 comme un ethnologue dans un pays un peu fou, où on brandissait des cocardes, on s'écharpait sur est-ce que c'est l'anniversaire de Capet ou celui de Camille Desmoulins, etc. Bon, ça semblait très... Mais ça dit quelque chose avec le recul, ben, d'une forme de névrose quand même. Hein. Le syndrome de Vichy existe en... Je compare pas les deux, hein. En France, le syndrome de la Révolution aussi. Et c'est pas bien sûr qui nous aide à faire de l'histoire aujourd'hui. Voilà, elle a été longtemps une priorité des programmes scolaires, encore jusqu'à aujourd'hui, avec une remarquable continuité. Dans les programmes scolaires, depuis la fin du 19e siècle, finalement, c'est fou la continuité des questions et des thèmes qui sont posés. Ça évolue un peu, les femmes notamment, on fait les colonies, la contre-révolution un peu, prudemment. Mais quand même, une grosse continuité, on est quand même encore largement dans le roman républicain et national de la Révolution française. Alors après, les enseignants en font autre chose dans les classes, mais c'est important, les prescriptions. Ça dit quelque chose. Voilà. Alors, ce n'est pas spécifique à la France. En Angleterre, la Révolution anglaise, celle du XVIIe siècle, a aussi longtemps joué le même rôle, un peu séminal, ombilical. Aux États-Unis aussi, la Révolution américaine. Voilà, ça fait partie de ces romans nationaux, etc. Bon. Il y a quelque chose de singulier à la France, puisque une histoire singulière, mais c'est pas, il faut la relire aussi à travers un contexte plus large. Et puis, ça a été longtemps aussi une priorité des politiques publiques de recherche publique, de financement de la recherche, pendant tout le XXe siècle, la création d'une chaire à la Sorbonne, créée par la mairie de Paris, dans une continuité un peu révolutionnaire, la Commune de Paris, etc. La création d'un institut spécifiquement dédié à l'histoire de la Révolution française, qui n'existe plus aujourd'hui formellement, mais qui a longtemps existé, était le fer de lance de la connaissance et aussi de la promotion de la Révolution et de son histoire. C'est très important, hein, de le souligner. L'Institut d'histoire de la Révolution française, fondé sous le Front populaire, dans un contexte dont tout le monde peut saisir les enjeux ici. Il s'agissait de défendre l'héritage républicain et révolutionnaire face au fascisme montant, etc. Et force est de constater que les historiens scientifiques de la Révolution étaient pris dans un étau, dans des contradictions très fortes. Il faut les comprendre, hein, il y avait fort à faire. Affaire Dreyfus, montée du fascisme, Action française, la Révolution était un enjeu des combats politiques. Donc face à eux, il fallait ériger des digues. Et ils ont aidé à faire ça. Ils ont fait un travail incroyable de publication de documents, d'écriture de l'histoire. Alphonse Allard, ici présent, membre éminent en plus de la Ligue des droits de l'homme. Donc, ils étaient dans le combat scientifique et politique. Mais comme face à l'histoire, aux falsifications de l'Action française notamment, etc., etc., et de l'histoire post-contre-révolutionnaire, ils brandissaient la supériorité de la science. Évidemment, ils étaient tout de suite pris au piège parce que eux aussi étaient impliqués dans la cité, eux aussi défendaient un combat politique. Et ces contradictions, elles sont intéressantes à essayer de tester, de questionner aujourd'hui. Donc Alphonse Allard, et puis c'était des maîtres, c'était des hommes, des grands hommes, comme s'ils étaient un peu les héritiers de la Révolution. Il y avait toute une admiration, presque des cours, même si, attention, je parle de la cour de Versailles, pour des histoires de la Révolution, il m'en aurait beaucoup voulu. Mais il y avait une admiration pour ces grands hommes qui faisaient la leçon, un peu comme les hussards noirs de la République, hein, et qui faisaient passer des messages. Albert Soboul et sa collection d'objets sur la Révolution française. Comment dire, c'est un de mes objets d'étude, là. Je suis en train d'écrire aussi là-dessus, sur quel culte ils ont suscité. Et admiré jusqu'en Chine, notamment par Zhang Dilian, là, qui se recueille sur sa tombe au Père Lachaise, ou Madeleine Anna Charmelot, qui est une des petites plumes. Il y a aussi beaucoup de femmes anonymes qui ont fait l'histoire de cette révolution, mais elles étaient un peu au service de ces grands hommes. J'essaye aussi d'écrire leur histoire aujourd'hui. Tout ça, c'est conservé pas loin, au musée de la Révolution française de Vézille. Donc là, j'essaye de comprendre comment cette histoire-là a fonctionné, dysfonctionné,
et comment est-ce qu'on pourrait en sortir aujourd'hui, tout en assumant cet héritage et on leur doit beaucoup évidemment à ces historiens. Mais c'était une histoire, évidemment, on était dans la promotion et dans la défense, dans la patrimonialisation de la Révolution. Et dans, voilà. Alors aujourd'hui, étranger à la Révolution, on est devenu... D'abord, c'est une histoire un peu usée, qu'on a du mal à entendre. Et à force de proclamer que la Révolution est toujours vivante aujourd'hui, les histoires de la Révolution se font beaucoup moins entendre. Hein, et c'est quand même, à la fois pour des bonnes et des mauvaises raisons, cette histoire est vue dans la recherche publique. Hein. Et dans une partie du public un peu vieux jeu, un peu usé, un peu... on connaît, quoi. Hein, histoire de la Révolution française, bon. Et en même temps, on est devenu très étranger. Alors pourquoi ? Alors, il y a plein de... C'est pas mon petit doigt mouillé qui me le dit, c'est beaucoup d'enquêtes sociologiques, d'études de sciences politiques. D'abord, on est un peu les premières générations, au début du XXIe siècle, à pas connaître de révolution nous-mêmes, ou à pas connaître quelqu'un qui connaît une révolution, en tout cas dans le monde occidental. Et mine de rien, c'est la première fois que ça arrive depuis très longtemps. À la fin du XXe siècle, il y en avait dans l'Est de l'Europe. Il y avait aussi la révolution des œillets à la fin des années 70, au milieu des années 70. Et en fait, donc le champ d'expérience, le lien qu'on a avec le phénomène, l'événement révolutionnaire en Europe, ben, on l'a pu, alors que pendant longtemps, il a fait partie du paysage. Hein. Depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, il y en avait régulièrement. Et ça change quelque chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait encore ce que ça veut dire, ce que ça implique une révolution ? Vraiment, dans les vies, c'est pas sûr. C'est la fin des grandes idéologies, comme on les a appelées aussi, et notamment, alors, c'est pas la fin du marxisme, hein, le marxisme existe toujours, mais évidemment, il est un peu, disons, marginalisé, étouffé. C'était un puissant vecteur de transmission des cultures révolutionnaires et des idées, des utopies. Force est de constater qu'il existe moins, il y a plus, pour la première fois, aujourd'hui, un parti politique en France qui forme à l'histoire de la Révolution et qui a la Révolution comme projet, même comme une utopie. Il y a encore quelques dizaines d'années, il y avait la LCR, il y avait Lutte ouvrière, etc. Aujourd'hui, bah, je ne sais pas si à la NUPES, par exemple, l'idéal révolutionnaire, il n'est pas tellement mis en avant. La résistance, ouais, mais ce n'est pas la même chose, etc. etc. Bon. Ça, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'il y a une culture qui passe moins. Il y a un doute sur la définition même de la Révolution française, de la Révolution, en Occident. Et notamment depuis la révolution iranienne de 1979, toutes les révolutions islamistes faites au nom de la religion, au nom de valeurs religieuses, de conception de la religieuse de la vie collective, je pense à ce qu'on a appelé les révolutions arabes aussi récemment, qui ont jeté le trouble. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon une révolution ? Et au nom de quoi on l'a fait ? De la religion ? C'était vraiment contradictoire avec toute une conception très occidentale et même très française, hein, nous, laïcs. D'une révolution qui ne peut pas se faire au nom de la religion, oubliant complètement qu'en 89, tout le monde était profondément catholique, ou la plus grande majorité des Français, et faisait la révolution au nom de valeurs religieuses. Bon, mais ça, on l'a oublié, justement. Bon, bref, donc on sait, voilà, la connaissance de la révolution, de son histoire, voilà. Et même les institutions chargées de fabriquer le savoir et de se transmettre sont, ou sont moins exposées, ou ont disparu, je vous dis, l'Institut d'histoire de la Révolution française a été... formellement supprimée comme unité de recherche il y a quelques années. Tout ça, c'est à la fois pas lié du tout à la Révolution, mais en même temps un peu. C'est aussi tout un univers qui s'éloigne. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Contrairement à ce que... Pourtant, en historien de la Révolution, je devrais m'en le déplorer, mais en fait, c'est peut-être une occasion rêvée de la reprendre à nouveau frais, hein, de nouer de nouveaux liens avec l'événement, le voir autrement, de se le réapproprier. Quelle était cette image qui parvenait jusqu'à nous ? Est-ce que c'était si satisfaisant que ça, de faire l'histoire de la Révolution pour la promouvoir ? Ou pour l'attaquer, d'ailleurs. C'est peut-être aussi l'idée de l'occasion de la redécouvrir sous tous ses aspects, en faisant un peu aussi, en exerçant un droit d'inventaire sur cette histoire, qui a quand même, pendant longtemps, pour promouvoir la Révolution et la défendre, pas parler des femmes, des minorités en général, pas parler des esclaves, ou peu, ou de la colonisation, de la contre-révolution, qui a eu un regard très franco-français, peut parler de la religion, peut interroger la révolution dans ses contradictions, et pourtant c'est profondément ça, une révolution, comme crise politique. C'est peuplé de contradictions, d'aller et retour, de haut et de bas, de solutions qui apportent de nouveaux problèmes, et c'est ça qui est intéressant dans une révolution, en fait. Et c'est pas comme ça, voilà. Donc, voilà, la guerre civile, la violence, la Vendée, tout ça, c'est peut-être l'occasion, enfin, de s'en ressaisir pour de bon.
Alors, évidemment, il y en a qui le font depuis un moment, hein. Jean-Clément Martin sur la contre-révolution et la Vendée, enfin, sur l'histoire des femmes, hein, dès la fin du XXe siècle, des femmes, des collègues féminines, et aussi des hommes qui commençaient à écrire cette histoire-là, mais voilà, ça ne s'est pas installé dans l'histoire ordinaire. C'était des histoires un peu à part. Voilà. Et puis, finalement, cette tradition missionnaire de l'histoire de la Révolution qu'avaient nos prédécesseurs, est-ce qu'elle est conforme à ce qu'on attend aujourd'hui d'une histoire qui est là pour questionner, jeter le trouble et pas pour faire la leçon? D'accord? Bon. Est-ce que c'est efficace de faire la leçon aujourd'hui devant les falsifications de l'histoire, face au Puy du Fou, par exemple? Je ne suis pas bien sûr que ce soit très efficace. Voilà. Et puis, est-ce que c'est ça la science? Je ne suis pas bien sûr non plus. Voilà. Alors, du coup, voilà. Rapidement, une histoire tout-terrain qui permettrait de répondre à ces questions, à cette nouvelle donne, qui pour moi, encore une fois, est plutôt une bonne nouvelle. Cet éloignement, cette prise de conscience de cette étrangeté qui invite à une redécouverte, ça passe d'abord, quand on est historien, par relire les archives, quand même, c'est mon métier, mais de lire d'autres archives. Alors, du coup, alors moi, j'ai fait un peu le choix aussi, depuis quelques années, de moins publier. D'abord pour faire d'autres choses, parce que je pense que c'est aussi une urgence et c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi parce que reprendre un tel dossier, une histoire si chargée, si éprouvée, en fait, c'est très long. Ça va, d'ailleurs, ma génération ne va pas y arriver. On va pas y arriver à réécrire cette histoire en une génération. Ces grands récits, ils sont trop durs, ils sont trop installés dans les imaginaires. Et au fond, elle va être un peu moins exposée, cette histoire de la Révolution. Auparavant, on vendait beaucoup de livres quand on écrivait une histoire de la Révolution. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais c'est plutôt pas mal qu'on passe dans cette zone d'ombre-là. C'est transitoire et ça va prendre du temps. Donc, relire les archives, c'est... Alors, je prépare un livre sur 89. C'est un exemple. Hein. J'essaye de relire justement en quoi l'image qu'on a de l'histoire de 89, qui nous semble très connue, en fait, elle est assez fausse. Qui sait que dès 1789, les premières révoltes d'esclaves, les premières révoltes de libres de couleur et de colons existent déjà en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, et à la Martinique avec les drapeaux, la cocarde bleu, blanc, rouge, et en même temps le drapeau américain. Dans une sorte d'ambiance transnationale, transimpériale. Voilà. Qui sait que dès 89, dès le début 89, les femmes ont mené beaucoup, non seulement les débats, mais aussi les luttes. Et ont connu les premiers retours de bâton, les premiers discours contre les femmes, c'est dès l'été 89. Bon, cette histoire est peu écrite. Qui sait que les premiers renforts de la contre-révolution, qui est en train de se fabriquer comme contre-révolution, là aussi, on n'est pas contre-révolutionnaire, contrairement à ce qu'on s'imagine. On le devient, comme on devient révolutionnaire en 89. Eh bien, c'est des gens qui, parfois, c'est des gens de peu, des domestiques, des manouvriers, pas des laboureurs, des journaliers, des petits artisans, qui, par déception de la Révolution, par désillusion dès l'automne 89, parce qu'ils sont réprimés, etc., ou des prêtres qui ont été dépossédés de leurs revenus, ou des prieurs, très rapidement, la nuit du 4 août. Alors évidemment, c'est une énorme conquête, la nuit du 4 août, hein, d'un certain point de vue. Mais il y a aussi plein de gens qui se sont estimés lésés tout d'un coup, et qui se voyaient pas du tout comme des gros dominants ou des profiteurs, et qui pointent tout de suite les contradictions de la Révolution en disant droit à la propriété, le droit à la propriété devient sacré avec la nuit du 4 août. On peut plus avoir des propriétés sur des gens, dans la Déclaration des droits de l'homme aussi, et en même temps, vous me dépossédez de tout mon bien que moi, j'ai acquis. Je l'ai pas volé. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça? Et il n'y a pas beaucoup de réponses sur le moment, et d'ailleurs, parce que c'est très difficile. Mais en vrai, pourquoi pas les écouter? Est-ce qu'ils n'ont pas des choses intéressantes à nous dire? Est-ce que ça ne nous questionne pas, nous, aujourd'hui, sur nos propres contradictions? Bon, voilà. C'est tout ça que j'essaye de raconter dans cette histoire. Donc, du coup, ça suppose aller dans les archives des lettres de cachet, dans les archives diplomatiques pour voir le regard des étrangers sur la Révolution, pour en faire une histoire moins nationale, archives coloniales, archives laissées par les femmes aussi, bon, etc. Donc, un gros travail, ça va me prendre des années, en fait. Je crois que j'y suis depuis 5-6 ans. J'ai écrit 700 pages, mais je crois que ça fera peut-être le triple. Je réduirai, hein, sinon personne ne les lira. Voilà, là, c'est les archives de l'Assemblée nationale, la série C, tous les gens qui écrivent à l'Assemblée pour leur dire « Mais hé, ça va pas, là. Moi, je crois en la Révolution, mais si vous continuez comme ça, je vais pas vous soutenir très longtemps. » On n'a pas été très écoutés par les histoires un peu classiques de 1789. C'est l'unité qu'il fallait suggérer. En fait, dès 89, il y a les ferments de la guerre civile, mais c'est très intéressant. Ça ne dit pas que la Révolution, c'est bon ou mal. C'est-à-dire que
que c'est une grande crise politique et qui a à nous apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est une carte qui est faite par des gens de je ne sais plus quelle commune pour essayer de dire, regardez, on est au centre du territoire, il faut que nous, ce soit nous le chef-lieu, quoi, hein, dans la création des départements à la fin de l'année 89. Et en fait, ils envoient tous des dessins en tordant les cartes, en disant, regardez, on est centraux, quoi, beaucoup plus que les voisins. Bon, ça, c'est intéressant aussi, parce que ça montre le lien, la déliaison aussi que provoque la révolution. Bon, bref. Et donc ça, c'est une partie des archives à droite, des lettres qui sont envoyées justement par des gens qui sont enfermés depuis des années parfois dans des couvents, des prisons, par lettres de cachet, et notamment par exemple des femmes qui, pour échapper aux violences de leur mari, se font mettre dans des couvents, mais se font emprisonner en fait. Hein, elles sont emprisonnées parce qu'elles sont victimes de violences domestiques, conjugales, et qui en 1789 disent « bon, maintenant je peux sortir s'il vous plaît, mais protégez-moi ». Donc c'est intéressant, ça n'a pas été longtemps, ça n'a pas été souvent écouté. Bon, bref. Donc voilà, relire les archives, mais aussi élargir les territoires de l'enquête à la redécouverte de 89. Il me reste peu de temps. Hein. Bon, donc je résume très vite. Donc c'est ce que je défends comme méthode en général dans ce livre Histoire. C'est-à-dire qu'être historien aujourd'hui, ce n'est pas forcément seulement aller dans les archives. C'est être attentif aux usages qu'on en fait, etc. Alors, et c'est aussi explorer de nouveaux outils, de nouveaux territoires pour interroger la science et ce qu'elle peut faire et pas faire. Et notamment la création artistique. Et trouver d'autres endroits aussi pour transmettre ce qu'on a à transmettre, partager. Parce qu'évidemment, tout le monde ne lit pas les articles scientifiques. Il n'y a que mes collègues, et encore, pas beaucoup. ma mère aussi, ceux qui m'aiment bien, mais quand on lit le nombre de lectures, parce que maintenant on peut le faire, des articles scientifiques, faut pas trop le faire souvent, si vous voulez. Hein. Donc, c'est notre culture professionnelle, elle est importante, c'est là-dessus que se construit le savoir. Mais si on s'en tient là, alors à quoi on sert ? Alors, il y a nos étudiantes et nos étudiants, ça, heureusement qu'on les a, parce que là, on transmet, mais en vrai, est-ce que ça suffit ? Je suis pas sûr. Il faut renoncer à certaines choses et j'ai pas trop envie. Du coup, et puis alors, deuxièmement, il y a aussi un enjeu en termes de... Ça dépend des événements, l'histoire de la colonisation, la Révolution française, tous ces événements qui ont laissé beaucoup de traces, on peut les appréhender comme ça parce que justement, ils font l'objet d'usages sociaux très forts, encore aujourd'hui. C'est pas le cas pour tous les objets, je le sais bien, hein, tous les objets d'études. Donc, dans ce livre, j'essaye pas de faire la leçon à mes collègues en disant il faut étudier les usages de tel événement dans la rue, les usages sociaux. Il y a certains événements, c'est un peu dur de les pister. Hein, quand on est historien de l'Antiquité, c'est pas forcément d'ailleurs le collier à l'éloignement temporel, mais ça dépend de l'objet aussi. C'est pas toujours si facile. Alors. D'abord, un héritage politique à ressaisir, c'est-à-dire qu'un de mes enjeux pour comprendre l'événement, donc vous voyez, c'est pas le petit doigt mouillé, c'est pour comprendre ce que l'événement nous a laissé comme trace, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait comme usage aujourd'hui. Donc, alors moi, je fais des enquêtes un peu impliquées, donc vous me voyez à droite, j'ai retrouvé cette photo à Nuit debout, donc il y a quelques années. L'idée pour moi, alors si j'y suis allé, c'est que j'ai quand même un minimum de sympathie avec ce qui s'y est passé, mais une sympathie que j'essaye d'interroger, de mettre à distance, sinon je ne serais pas chercheur ou scientifique, hein. Je peux utiliser ça, mes opinions, mais je peux aussi réfléchir contre et essayer d'élucider ce qui me fait peut-être mal penser ou en tout cas ce qui me fait faire des erreurs. D'accord, voilà. Mais on peut l'utiliser aussi. Et donc, je suis allé à Nuit debout, j'ai participé à une commission qui s'appelait Éducation populaire. Et l'idée, pour moi, en tant qu'historien, ce n'était pas tellement de défendre la Révolution, parce que ça, tout le monde me le demandait. On était là, je veux dire, les historiens, ils sont souvent utilisés pour créer de l'espérance, de l'énergie collective. Et mon objectif, c'était, pourquoi pas, hein, en racontant l'histoire de la Révolution, mais aussi parfois de décevoir, parce que c'est aussi mon rôle. Non, mais non, la Révolution, c'est pas que ça, c'est aussi la violence, c'est aussi, etc. En tout cas, voilà, donc ça m'a aidé à comprendre un peu plus en étant un peu impliqué. J'étudie aussi les cahiers de doléances du Grand Débat National. S'ils s'appellent cahiers de doléances, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que là, il y a un héritage, voilà. Qui est quand même utilisé explicitement, mais j'essaye d'en étudier le contenu pour savoir si vraiment il y a dans les réclamations, il y a des choses qui passent avec le temps ou pas. Et puis, l'idée, c'est aussi d'être présent sur les usages qu'on en fait de cet imaginaire révolutionnaire. Et évidemment, il y a le puits du fou. Parce que si, à gauche, ou etc., dans plein de pays, dans certaines parties du paysage politique, on a un peu oublié ce que c'était la Révolution, on la traite un peu comme un monument, c'est pas le cas partout.
Le Puy du Fou, c'est le deuxième parc à thème français, et c'est une machine de guerre politique. Philippe de Villiers s'en cache pas. Alors, les gens ressortent pas en étant contre-révolutionnaires. Hein. Faut pas les prendre pour des idiots, de la même manière que quand on joue aux jeux vidéo, on ressort pas en ayant envie de tuer tout le monde ou en se prenant pour le héros d'Assassin's Creed. Bon, y a évidemment, les usages, ils sont plus complexes dans les appropriations. Mais ça veut pas dire que c'est innocent non plus. Et d'ailleurs, dans les enquêtes sur les savoirs scolaires qu'ont mené des collègues québécois récemment, dans les établissements privés, mais aussi de l'ouest de la France, beaucoup de collégiens citent le Puy du Fou comme une référence de la Révolution et tout. Donc, il y a quand même, et ça, donc, ça veut dire que c'est traçable. Il y a des enquêtes. C'est pas juste des discours sur la mauvaise influence du Puy du Fou, hein, et de l'industrie du divertissement. Donc, j'ai des collègues, Mathilde Larrère, Guillaume Lancereau, notamment, qui ont publié le Puy du Fou pour déconstruire. Donc, je pense qu'il faut aussi investir ces champs-là en faisant très attention aussi à réfléchir sur nos propres engagements, en les assumant, mais en réfléchissant dessus, surtout en les cachant pas, et en essayant de penser contre soi aussi de temps en temps. Ça peut être intéressant. Sinon, on se retrouverait dans la même lignée de l'histoire comme mission, si vous voulez, pour promouvoir la révolution, la défendre. Voilà, dans les monuments, l'idée... Alors, j'ai aussi participé... Donc, voilà, je passe beaucoup de temps, donc, à ne pas écrire de livres. Donc, voilà, c'est un choix, pas si évident que ça, d'ailleurs. Mais parce qu'il y a l'idée que transmettre la révolution, c'est aussi changer de public, s'adresser à des publics différents, et donc de manière différente. On écrit, hein, quand on écrit les panneaux d'un musée. Mais c'est pas la même écriture. Et puis, c'est aussi la scénographie. Donc, mon idée à la conciergerie, qui était la prison de la Révolution française, mais notamment, pas seulement, parce que c'est le palais de la Cité, c'est le premier palais des rois, hein, sur l'île de la Cité à Paris. Donc, en fait, c'était une prison parce qu'il y avait un palais des rois depuis très longtemps. Mais pendant la Révolution, c'était ça. Et c'est attaché à la Révolution parce qu'il y a la cellule de Marie-Antoinette. Et ça crée un truc très, un lien très, très fort. Avec toutes les images noires que vous pouvez imaginer, de la terreur et tout. Et donc, l'ancien parcours, c'était vraiment très royaliste, très contre-révolutionnaire, très sombre. Et donc, on l'a refait en 2013. Et du coup, j'ai essayé de transformer ce qui était un lieu de mémoire en lieu d'histoire. Alors, sans éliminer, effacer Marie-Antoinette. Alors, j'ai effacé la cellule de Marie-Antoinette où on la voyait en train de prier un mannequin et tout, parce que c'était pas la cellule, elle ne pouvait pas avoir des fleurs de lys dans sa cellule. C'était du recomposé, c'était de la falsification. Donc je l'ai effacé pour cette raison-là, mais j'ai fait plein de panneaux sur Marie-Antoinette, il y a plein d'objets de Marie-Antoinette. Donc l'idée, c'est pas d'escamoter une fois de plus ce passé complexe, quoi. C'est de les faire réfléchir dessus, donc avec des panneaux, des reconstitutions qu'on a laissées parce qu'on n'a pas eu tout l'argent qu'on voulait, et surtout une salle des noms dans laquelle il y a tous les noms de ceux qui sont passés devant le tribunal révolutionnaire. Donc ça fait un peu mémorial, vous voyez, mais c'est évidemment blanc, pas noir. J'essaye de jouer aussi avec l'histoire de la guerre civile et de la terreur sans donner dans la légende noire, et surtout en essayant que les gens puissent, avec la table numérique notamment, accéder aux dossiers d'archives. Pour faire un peu d'histoire sociale, pourquoi pas dire, faire prendre conscience que oui, les nobles et les membres du clergé qui étaient réfractaires ont été plus ciblés, beaucoup plus par la répression pendant la terreur, mais la grande majorité des gens qui sont passés devant ce tribunal, c'est des gens du commun. C'est des gens ordinaires. Et ça, déjà, c'est pas mal de s'en rendre compte. Voilà. En tout cas, voilà, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la réflexion, c'est ce qui me plaisait. Et puis, on a laissé ça. C'est le mémorial qui a été construit sous la Révolution, sous la Restauration, pardon, pour Marie-Antoinette. Donc, on l'a laissé, mais avec des panneaux. Au théâtre, avec Joël Pomera, Saïra Fin-Louis, c'est une pièce qui n'est évidemment pas une reconstitution. Donc, moi, en tant qu'expert, là, en tant qu'historien, j'ai joué un rôle particulier parce que j'ai pas juste dit c'est vrai, c'est faux, c'est... Vous voyez bien que là, c'est pas l'enjeu. On est dans des transpositions de temps, de langage qui ne sont pas ceux de la fin du XVIIIe siècle. Mais Joël Pomera, là où ça remplissait vraiment ce que je voulais faire, c'est que dans cette pièce qui raconte les débuts de la Révolution française, il a voulu donner la parole à tout le monde. Femmes, hommes, révolutionnaires, contre-révolutionnaires. Et en fait, il a voulu jeter le trouble. Alors, c'est aussi son théâtre hein, qui fait ça depuis longtemps. Mais en fait, ça donne le tournis parce qu'on ne reconnaît plus trop la Révolution. Et en même temps, il y a de l'énergie, une énergie folle qui est réinjectée par l'intermédiaire du théâtre. Et donc, moi, c'était aussi un moment pour tester ce trouble sur scène. Avec là, on voit une scène de district, on voit la violence, et c'est un étranger qui se fait arrêter et tout. Bon. Donc c'était une manière pour moi de non pas faire passer un message ou transmettre du savoir, mais dire finalement cette révolution que vous croyez connaître, vous la connaissez plus, et elle peut vous surprendre, elle peut vous troubler, elle peut vous interroger. Voilà, bon, je n'ai pas trop le temps d'en dire plus, mais ce qui passe par aussi revoir la personne du roi. Regardez, là,
joué par Yvain Julliard, qui est grand, qui ressemble à un grand roi réformateur, qui était Louis XVI, hein, contrairement à tous les clichés qu'on donne. C'était un roi qui a essayé de réformer beaucoup, qui n'est pas arrivé, mais qui n'était pas dépassé, ni mou, pas de naissance, quoi. Hein, bon. Voilà. Et du coup, même à la fac, je fais des ateliers, et dans les collègues qui veulent bien m'inviter au lycée, je fais des ateliers de pratique théâtrale à partir d'archives. Et on fait des débats et on joue des rôles, ils jouent des rôles. Et c'est une manière aussi de faire en sorte de se réapproprier. Et j'ai fait écrire mes étudiants avec moi sur cette expérience-là dans une revue scientifique. Donc vous voyez, c'est aussi une démarche d'enseignant. Voilà, ça me permet aussi de réinterroger mes pratiques. Et alors la BD, donc ça c'est le prochain tome de la revue dessinée. Regardez, je commence en Haïti en 2010, donc loin de la France, avec une Française qui est descendante de Toussaint Louverture et qui part à la recherche de l'histoire de France, mais aussi de sa propre histoire, et qui tombe sur Corday, Charles Corday et Jean-Paul Marat, qui sont condamnés à errer ensemble. Charles Corday poussant Jean-Paul Marat dans sa baignoire, comme on pousse quelqu'un en fauteuil roulant, qui s'engueule tout le temps sur la Révolution. Du coup, c'est une sorte de voyage à trois voies, contradictoire, une femme, un homme, une contre-révolutionnaire, un révolutionnaire, et une femme d'aujourd'hui, non blanche, qui... en fait, qu'on accompagne pour redécouvrir la Révolution française et sans donner vraiment de messages ou de leçons. Je crois que c'est assez. J'espère que c'est un peu drôle aussi. Enfin bon, bref. Vous voyez la baignoire là. Et en plus, il a une machine électrique parce qu'il testait aussi les vertus d'une machine électrique pour se soigner dans son bain, Marat, quand il est mort. Et donc, j'ai imaginé que c'était ça qu'il faisait passer dans le temps. Bon. Vous voyez, c'est à la fois fondé sur des trucs vrais et en même temps, bon, on est dans la fiction. Et là, c'est au moment où il y a la Déclaration des droits de l'homme qui arrive en hologramme, et en même temps, toutes les voix qui n'ont pas été associées à cette déclaration, qui disent « mais et moi, les femmes ». Donc voilà. Bon, je n'ai pas le temps, mais c'est l'histoire dans la rue, donc c'est un parcours avec des vrais panneaux, une appli et un site sur les traces de la Révolution à Paris. C'est plus de 120 lieux géolocalisés où on raconte l'histoire de la Révolution à Paris à partir des traces de la Révolution. Donc là encore, c'est long, hein, c'est 3 ans de travail, donc c'est aussi un choix. Hein. Pendant ce temps-là, je n'écris pas d'articles scientifiques et tout, mais il y a l'idée de remettre en jeu l'histoire dans la rue, voilà, à travers les images aussi, la collection d'images du musée Carnavalet. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez la télécharger ou aller sur le site. Et... l'idée, c'est de faire des parcours à pied, quoi. Voilà, à travers la Révolution. Bon, là, c'est autre chose. J'ai travaillé avec des écrivains aussi. Bon. Et puis, récemment, dans les séries, une série sur Benjamin Franklin, très décevante du point de vue de mon rôle, par contre... puisque là, bah, y a des gros pouvoirs économiques et souvent les historiens, on les instrumentalise un peu. Elle paraîtra... Je pense que c'est quand même une très bonne série, pardon. Hein. C'est juste que moi, j'ai complètement échoué à faire quelque chose d'intéressant, mais je pense que la série... Regardez les images, elle, c'est magnifique. Hein. Grosse, grosse série. Et puis, donc, voilà, notre révolution, c'est ça. Voilà. J'étais trop long, je suis désolé, hein, mais j'avais tellement de trucs à dire. Merci voilà. Beaucoup.